21e jour de ce Barrel Christmas et la bière du jour est l'Estaminet. Alors une petite bouteille, comme vous pouvez le voir, je pense si on se rend bien compte. Une bière de 25 centilitres, d'habitude en vidéo c'est des 33, ici c'est une 25. C'est une Pulse, à mon avis une bière de 5,2 degrés. Tout est marqué en néerlandais, mais je t'ai voir sur internet, sur le site palme.be, donc en description comme d'habitude. Les petites infos complémentaires. L'Estaminet, au 16e siècle, l'armée espagnole catholique envahit nos contrées. Donc la Belgique, les Pays-Bas, Luxembourg et certaines parties du nord de la France. Pour lutter contre l'avancée du protestantisme. Les soldats espagnols dirigés par le duc d'Albe, je sais pas qui c'est, j'ai jamais entendu parler, recherchaient des auberges agréables pour y journer. Boissons coûteuses, repas solides et ambiance conviviale. Les jeunes filles pleines d'entrain, assurant le service et étaient une attraction supplémentaire. Bon, en gros c'était des putes quoi. Pour cette raison, Estaminetta, il y a des filles, était le code désignant les meilleures auberges. Ah, d'où là, l'Estaminet. Maintenant je comprends mieux ce que ça veut dire l'Estaminet. Estaminet est aujourd'hui le nom de la meilleure Lager ou Premium Pils de Palm Brewers. La qualité exceptionnelle de l'Estaminet est due à la sélection des meilleurs ingrédients naturels. Eau douce, orge, d'été, 100% de première qualité, levure particulière et houblon saze, très noble. La pleine gravité, la fermentation basse, lente et traditionnelle, faisant ressortir le caractère fruité ainsi que les 6 semaines complètes de maturation grandissant à l'Estaminet, son authenticité de premier pulse belge. Bah ok, donc c'est une pulse comme je l'avais dit. Identité de la marque, valeur de la marque, virilité, compétence. Bière basse, désaltérante, rafraîchissante, destinée à la socialisation et apprécié en groupe. Ouais, pour se mettre une murche quoi, c'est une bière pour faire guince. Donc elle a eu plusieurs prix. Donc en 2011, Gold Brewer Industry International Award, 2013, Gold Brussels Beer Challenge, 2014, Silver World Beer Awards, 2015, Europe's Beer Pilster World Beer Awards, 2015 encore, The Certificate of Excellence 2015, Brussels Beer Challenge, 2016, Europe's Beer Pilsner World Beer Awards, 2017, Certificate of Excellence Brussels Beer Challenge. Je ne sais pas du tout ce que je viens de raconter. Interprète. Bon, bah, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises avec cette petite bière. Cette bière, j'ai reçue quand je faisais un collect and go chez Kellreuth, donc de temps en temps, on a un petit cadeau, voilà, c'était un petit Estaminet, donc ça fait plaisir. Voilà, une blonde. Sans surprise, avec coup de bubule. Allez, santé! Voilà, c'est une bière qui a rien d'extraordinaire. Je lui en mets un 5 sur 10, ça le vaut vraiment pas plus. Voilà, c'est une bière pour se mettre une murge quand c'est entre potes, voilà. Niveau du goût, c'est style Jupiler Stella Artois. Voilà, rien d'exceptionnel, 5 sur 10, ça vaut pas plus pour moi. Pour la dégustation de bière, franchement, c'est une bière à boire sans soif, quoi, pour se mettre une bonne murge. Aujourd'hui, c'est mon cousin Sinoc, qu'on a déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, qui me pose des questions. Donc, il y a une chaîne Twitch, il s'est mis dans le streaming. Donc, le lien est dans la description, comme d'habitude. Mais je ne sais pas du tout combien il y a d'abonnés. Donc allez voir sa chaîne streaming si vous aimez ça. Il fait un peu de tout, il fait du multigaming sur sa chaîne. C'est vrai que j'y vais jamais en ce moment, mais de temps en temps, j'irai le troller. Sinoc, je te lance un petit défi. 50 likes sur cette vidéo. Donc je mettrai, pour que vous likez en connaissance de cause, des photos de Mathieu en vidéo. Donc vous verrez comment sa coupe, elle est affreuse. Donc si la vidéo a fait plus de 50 likes d'ici le 31 décembre 2021, il est obligé de se couper les cheveux. Sinon, il a un gage. Et le gage, vous pouvez déjà le mettre en commentaire s'il le fait pas. Un gage bien correct, hein. Bien hardcore, hein, les gars. 50 likes, donc partagez à mort pour que cette vidéo fait 50 likes. Maintenant, je vais passer aux questions. Quel est ton perso de tout l'univers de Dragon Ball? J'ai déjà répondu à la question. C'est Krillin, parce que... petite aventure avec ses 18, rien que pour ça, chapeau. Quel est ton épisode préféré? Wouah, j'ai pas vraiment un épisode préféré. Moi, je suis plus Dragon Ball première génération, hein. Quand Son Goku est petit, donc c'est plus ces épisodes-là que je kiffe beaucoup plus. Quel est ton jeu vidéo, toute plateforme comprise de DBZ? Le Kakarot, parce que j'ai la platine, que je me suis vraiment bien éclaté sur ce jeu-là. Le fanservice est assuré. On fait quand même une vidéo à deux, un petit bonhomme triste. Bah écoute, quand tu veux, bah tu sais, hein, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le petit tout ça, mais on va essayer de programmer ça en 2022, faire quelques vidéos. Tu fais une pub pour ma chaîne Twitch? Non. C'est qui le meilleur des cousins? Je sais pas, j'en ai tellement que je sais pas te dire. Si tu dis pas à moi, je vais être triste. Moi, je dis pas à toi, alors comme ça tu vas être triste, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Mathieu, je te remercie pour ces questions. Moi, je vous fais santé. En hashtag en commentaire, vous le mettez. Sinop, coupe-toi les cheveux. Sinon, gage. Et s'il y a 50 là qui se coupe pas les cheveux, il y a un gage. Donc lâchez-vous en commentaire pour le gage s'il ne veut pas se couper les cheveux. Mais bon, pour ça, il faut déjà que la vidéo fasse 50 likes avant le 31 décembre. Comme mettre un objectif, hein, mettre une tas de limites, sinon c'est trop facile. Hein. Donc, 50 likes, il se coupe les cheveux. Et s'il le fait pas, ah ben un gage que vous mettrez en commentaire et je prendrai le meilleur gage que tu pourrais le faire en vidéo. Moi, sur ce, les amis, je vous dis à demain et salut, tchuss !